acclame, acclame, acclame. Acclame en poussant des cris. Tu t'attends à lui. Tu t'attends à ce qu'il te visite. Mais je veux t'inviter ce matin à faire quelque chose. N'allons pas adorer comme d'habitude. Vous savez, on ne peut pas rajouter dans un récipient qui est rempli d'eau plus d'eau. On ne peut pas rajouter dans un récipient rempli d'eau plus d'eau. Si tu veux une nouvelle huile, il faut vider l'ancienne huile. Alléluia. Et ce matin, je vais t'inviter à te vider à Dieu, à te vider à lui. Tu vas lui dire, Seigneur, prends tout. Il y a cette chose en moi que je n'arrive pas à laisser. Il y a cette chose qui peut constituer une barrière. Il a dit, mon oreille n'est pas trop dure pour vous entendre, ni ma main trop courte pour vous bénir. Mais il y a cette chose qui m'empêche d'agir. Cette chose n'est pas forcément le péché. Mais ça peut être quelque chose en toi. Ça peut être une colère. Ça peut être cette relation que tu as tellement chérie que tu as mis Dieu de côté. Ça peut être ce travail que tu chéris tellement que tu as mis Dieu de côté. Il dit, il y a encore de la place en moi. Mais vide-toi de moi. Alléluia. Vide-toi de moi. Pour que le manguier puisse monter, il faudrait couper des branches. Si tu veux croître encore plus en Dieu, il y a des choses que tu devrais laisser. Si tu veux monter plus en Dieu, si tu espères à plus de possibilités, si tu espères à plus de gloire, si tu espères à plus de grâce, il y a des choses que tu devras faire tomber. Il y a des choses que tu devras laisser dans sa présence. C'est toi et ton Dieu ce matin. Personne d'autre ne te connaît plus que lui. Toi seul, tu connais ta vie. Lui seul, il connaît ta vie. Et ce matin, je t'invite à aller au trône de Dieu. À ses pieds, tu vas lui dire, oui, prends tout, Seigneur. Je ne veux rien laisser pour moi. Je veux tout te donner. Je veux m'abandonner totalement, papa. Je ne veux pas repartir tel que je suis venu. Non, je ne veux pas être habitué à l'église. Il y a cette chose qui doit rester. Alors me voici. Madabra Satan. Oh, regarde, tu pouvais passer du temps dans sa présence. Mais aujourd'hui, tu te sens anéanti. Il y a cette chose qui doit rester. Il y a cette chose qui doit partir de ta présence. Il y a cette chose qui doit être ôtée ce matin. Bravo, Rochela, bababa. Alors, tu vas chanter. Oui, prends tout, Seigneur. C'est un cri de cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Je te donne mon mari, oui. Je te donne.
abandonné totalement. Tout arraché, bonheur. Oh oui, entre tes mains. Entre tes mains. Je ne veux rien garder. Je me sens lourde dans ta présence. S'il te plaît, est-ce que tu peux me décharger, Seigneur? Oui, je veux tout te donner. Même si c'est douloureux, je veux tout te donner. Oh oui, entre tes mains. Entre tes mains. Je n'ai que ma vie à te donner. Reçois-la ce matin. Prends-la ce matin. Prends-la ce matin. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Et entre tes Oh, il vient de vider quelqu'un ce matin. Il vient d'enlever une charge dans le cœur de quelqu'un. Oh, ce matin, tu ne repartiras pas de la même manière que tu es venu. Le Dieu de cette maison te visitera. Maintenant que la barrière a été brisée, il dit, il est le Dieu qui écoute. Il est le Dieu qui répond quand tu l'appelles. Il est le Dieu qui répond quand tu l'invoques. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te dirai des choses cachées que tu ne connais pas. Il est celui-là qui connaît les choses avant même que ça ne vienne. Il est celui qui connaît la fin d'une chose avant son commencement. Et ce matin, tu vas élever ta voix pour lui demander. Tu vas lui dire, Seigneur, tu réponds quand je t'appelle. Et tu t'appelles Adonai. Shela baba bobo seta baba. Babo bobo seti. Shela baba bobo. Rekosata baba baba sere bobo shela baba. Écoute ceci. Tu réponds quand je t'appelle. Toutes choses Adonai. Oui, tu réponds quand je t'appelle Adonai. Créateur de toutes choses. Créateur de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Il a créé quelque chose dans ta vie ce matin. Adonai. Oh, tu réponds quand je t'appelle. Tu réponds quand je t'appelle. Tu es Adonai, créateur de toutes choses. Je sais que tu vas agir. Hey!
matin. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de autre chose, je sais que tu es au contrôle, je le sais, je le confesse, car tu es l'alpha, l'oméga de ma vie, j'ai la babo satayana, tu es au contrôle, écoute ça, alpha, j'ai la babo satayana, oméga, rekadaba, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Est-ce qu'on peut chanter Alpha? Est-ce que le peuple de Dieu peut lever sa voix? Oméga. Dis à part toi, à part toi, à part toi, il n'y a point d'autre. Dis-le encore de tout ton cœur. Ce matin, est-ce qu'on peut donner une acclamation forte et puissante à l'alpha et l'oméga, celui qui connaît la fin d'une chose avant même son commencement? Est-ce qu'on peut puissamment l'acclamer ce matin? Il connaît même la fin de ta vie avant même ta manifestation. Est-ce que tu peux l'acclamer fortement ce matin? Il dit, voici les projets que j'ai formés pour toi, projets de bonheur et non de malheur. Dans d'autres termes, il connaît déjà la fin de ton histoire. Même si toi tu ne sais pas et qu'actuellement tu es soucieux, je viens t'annoncer ce matin qu'il y a une très bonne nouvelle pour toi. Il connaît la fin de ton histoire. Et je peux te dire qu'il a dit, les projets qu'il a formés pour toi sont des projets de bonheur
et non de malheur. Est-ce que tu peux acclamer fortement à cette déclaration qui a scié à notre vie par notre Dieu? Alléluia. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un? Dis-lui ce matin, je suis très content de te voir. Ne lui dis pas je suis content. Dis-lui, je suis très content de te voir. Je ne sais pas ce matin si tu es aussi pressé qu'on arrive au moment du message. Parce que je veux écouter la suite de ce message. Alléluia. Amen. Il y a une suite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis très pressé. Je ne sais pas toi si tu es aussi pressé que moi. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Il y a une suite. Amen. C'est le moment des offrandes. Je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Juges, le chapitre 6. Verset 18. Juges le chapitre 6, verset 18. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Alléluia. Quand je lis cette histoire, j'ai beaucoup ri et puis j'ai beaucoup compris quelque chose. Alléluia. Voyez déjà le contexte dans lequel Gédéon se trouvait. C'est un contexte où tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils réussissaient plus ou moins à récolter, c'était des choses qu'ils cachaient. Donc en d'autres termes, ce que Gédéon avait de plus cher, c'est ce qu'il avait caché et donné à quelqu'un sans que cette personne ne soit de sa tribu, c'est que c'est un sacrifice que Gédéon est en train de faire. Alléluia. Mais un homme arrive et regarde Gédéon et il lui parle. Et il fait une déclaration sur la vie de Gédéon. Si vous regardez déjà au verset précédent, déjà, quand vous commencez à lire depuis le chapitre premier, vous verrez les déclarations que l'ange avait faites et qui a suivi de cette suite. Alléluia. Mais l'ange dit à Gédéon une déclaration. Mais Gédéon dit à l'ange, attends-moi que je t'apporte une offrande. Mais par la suite, la Bible dit, l'Éternel dit, je resterai ici jusqu'à ce que tu reviennes. Qui a dit Amen. Mais Gédéon était dans une situation compliquée. Il était bien conscient qu'il avait besoin de passer à un autre niveau de sa vie. Comme toi et moi, aujourd'hui, nous sommes quelque part où nous ne savons pas quelle pierre, quelle situation nous allons peut-être, quelle personne nous devons toucher afin de passer à un autre niveau. Mais quelque chose m'interpelle plus. Il dit, je t'attendrai jusqu'à ce que tu reviennes. Mais qui est ce Dieu qui ordonne à un homme? Il lui dit, je t'attendrai. Mais quel est le temps que Gédéon a mis pour préparer l'offrande? La Bible dit qu'il a pris un chevreau, c'est-à-dire le petit d'une chèvre, qui a cette offrande afin de pouvoir bénir la vie de ce Gédéon. Mais en même temps, il y a une autre chose. Cette chose que Gédéon avait de plus cher était cette chose qu'il avait pris et puis il avait donné à Dieu en offrande, qui a dit Amen. Mais à partir de là, la Bible nous fait comprendre que sa vie a radicalement changé. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas quelle est la chose qui est la plus chère en tes mains, mais je peux seulement te faire comprendre, si seulement tu pouvais la déposer comme Gédéon avait dit, au devant de Dieu, je peux te donner de comprendre que Dieu multipliera ce qui est dans ta poche, qui a dit Amen. Et ce matin, j'aimerais inviter quelqu'un. Prends une offrande et comprends tout simplement que le prochain niveau ne s'acquiert pas seulement que par la prière. Mais il y a d'autres actions associées à la prière qui nous donnent accès au prochain niveau. Et la Bible nous donne de comprendre, Gédéon était quelqu'un aussi qui croyait en Dieu et qui priait. Mais une seule action l'a introduit dans un autre système que seulement par la prière, il ne pouvait pas avoir accès. L'offrande, qui a dit Amen. Et c'est pour ça ce matin, s'il te plaît, j'aimerais t'inviter à prendre une offrande avec moi et dire à Dieu, comme Gédéon, je viens le déposer au pied de la croix au devant de toi, afin que mon prochain niveau soit accessible. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Prends cette offrande pendant que Écho Céline donne un cantique. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Tu es digne,
prions pour les offrandes. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour cette grâce. Nous prions au nom de Jésus-Christ qu'il y ait un retour de bénédiction de manière favorable dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un dise Amen fort. Est-ce que tu peux te tenir debout ce matin avec moi et acclamer le Seigneur pour la grâce que nous avons encore de pouvoir écouter notre Père spirituel qui nous donnera un message fort. Est-ce que tu peux acclamer fortement pour Jésus-Christ de Nazareth, pour cette grâce que nous avons? Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Ce matin. Laisse qu'aucun homme ne reparte, qu'une personne ne reparte comme elle est venue ce matin. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais qu'on puisse honorer Dieu une fois de plus avec nos acclamations. Acclamer le Seigneur avec nos acclamations. Célébrer, célébrer, apprécier Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Ne restez avec moi tout à l'heure, on va redécoller ensemble. Je voulais faire une chose rapide avant de reprendre. Ou de commencer plutôt à communiquer le message que Dieu a mis sur mon cœur ce matin.
Une chose que j'aimerais dire, c'est que servir le Seigneur est parfois rempli de péripéties qui sont parfois difficiles et douloureuses sur le chemin. L'apôtre Paul a dit, parlant de son service pour Dieu, il a dit, j'ai traversé les tempêtes. Il a dit, j'ai été exposé à la faim, au péril, à des naufrages. Mais en toutes ces choses, il est ressorti vainqueur. Si tu sais Dieu, comme je vais l'enseigner tout à l'heure, tu peux croiser les animaux sauvages, tu peux croiser les tempêtes, tu peux croiser les périls, mais tu seras toujours vivant pour rendre le témoignage. Pour un homme d'avoir croisé la tempête, il dit j'ai vu les tempêtes, il dit j'ai vu la faim, il dit j'ai vu les bêtes sauvages. Mais s'il a vu tout ça et qu'il est en train de nous expliquer, c'est que tout ce qu'il a vu, il n'a pas englouti. Aucune bataille ne va engloutir ta vie. Tu ressortiras vainqueur. Parce qu'il est de l'avantage de Dieu de te sortir de là, afin de te donner un témoignage à rendre à ceux qui viennent après toi. C'est pour ça, je vous encourage à servir Dieu, à servir. À servir. Servir Dieu, ça va au-delà de venir à l'église le dimanche. Servir Dieu. En s'impliquant, en participant, en travaillant dans un département, en étant utile pour évangéliser, pour intercéder, pour servir ici et là. Cette chose qu'on est en train de faire vous garantira un témoignage. Alléluia. Et vous savez, le témoignage, c'est comme un film. Plus les péripéties du film sont difficiles, plus le brave souffre dans le film, plus sa fin rend le film intéressant. N'est-ce pas? Ça, c'est pourquoi vous aimez les films, et les télénovelas et tout ça. On va faire souffrir la fille là jusqu'à... Toi-même, tu regardes, tu pleures avec elle. Moi, j'ai vu des mères de famille pleurer, hein. À cause de Marima. Jesus. Parce que c'est la peine dans l'histoire qui rend la fin intéressante. Et tu as une fin intéressante. Et bien, donne-moi le... Tu as la clé? Oui, s'il te plaît. J'ai décidé de faire un petit cadeau. C'est monté sur mon cœur à une servante de Dieu à mes côtés. Je vais lui donner une petite voiture. Non. Parce qu'elle est fidèle. Et quand quelqu'un est fidèle, Dieu sait lui faire des petites grâces. Ce matin, c'est une petite grâce pour Maman Traoré qu'elle a. Ah. C'est une petite grâce pour l'aider à continuer à servir le Seigneur. Je l'ai déjà vu charger beaucoup de personnes sur sa moto pour l'amener à l'église. Au moins cette fois-ci, elle aura un peu plus de place pour amener les gens à l'église, puis pour servir Dieu. Le Seigneur est fidèle et... Attendez, je vais lui parler. Dosé. Et je suis passé par beaucoup de batailles et de combats. Ça, c'est seulement pour t'aider à continuer de servir Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de travail à faire dans l'église que tu fais avec nous.
Ce que nous, on ne peut pas faire, Dieu va le faire. Et va te donner une plus grande joie, une plus grande célébration. Voici ta clé. La voiture est là-bas, il faut aller regarder. Alléluia. Sike peketos. Pour mieux servir le Seigneur. Pour mieux évangéliser. De toute façon, tu dis amen beaucoup. On dirait que tu as envie de commencer l'évangélisation. Hein? On dirait que tu as envie de commencer l'évangélisation. C'est pour aller travailler. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bon, je sais qu'elle n'a pas le permis, mais Binta va conduire pour elle en attendant. Elle a permis. Donc, bon, c'est réglé. Qu'est-ce qui se passe dans mon esprit? C'est pour évangéliser, hein? C'est pour amener les âmes à l'église. Ce n'est pas pour se promener. Le travail du Seigneur, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'exigences. On a besoin d'être équipé pour mieux le faire. Allez enlever la voiture là devant la porte de l'église maintenant. Comme toi, ton permis, il faut aller. Ouais, voilà, il me faut l'aider. Allez mettre ça au parking. Ok. Voilà, mettez ça au parking, enlevez la place, les âmes vont rentrer à l'église. C'est ça qu'on veut. Quand ton palier pour le service augmente, tu es obligé d'augmenter tes capacités de le servir. Tu entends ce que j'en ai dit? Quand le service que tu fais augmente, Dieu est obligé de te rendre capable de mieux servir. Et j'aimerais prier pour vous tous le son de ma voix. Que Dieu te rende capable de mieux servir. Que Dieu te donne l'équipement utile pour que tu puisses mieux servir. Que le Seigneur te donne les ressources pour que tu puisses mieux servir. Dis amen bien. Veuillez vous asseoir maintenant. Faut pas être jaloux, hein? Il y a un mauvais esprit dans la salle. Dieu même va te donner pour toi. Sol. Voilà. Jéhovah Jéhovah, ah, Jéhovah, Jéhovah, oh Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah. Jéhovah, Jéhovah de ma vie, Jéhovah que j'adore, Jéhovah que je sais, Jéhovah que je l'aime, Jéhovah, Jéhovah. Jéhovah de ma vie, Satan la baya, oh.
Jéhovah. Jéhovah. Est-ce que tu peux dire tu es élevé? Tu es élevé. Élève la voix, dis tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Dis avec moi, je Ragada Shata Bragada Saliga Balaga de Sati Sata. Jehovah. 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 Est-ce que tu peux élever la voix et dire tu es élevé? Tu es élevé. Tu es élevé. Alors que tu es debout, élève la voix pour le célébrer. Élève la voix pour l'adorer. Élève la voix pour glorifier son nom. Élève la voix pour magnifier son nom. Élève la voix, dis-lui ton amour. Dis-lui ton appréciation. Dis-lui combien de fois il est grand pour toi. Apprécie le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Vas-y, prie. Shanama langa brisa kate shabele keto. Je veux te célébrer. Tu es magnifique, tu es majestueux, tu es glorieux. Alléluia. Donne-moi ta meilleure acclamation pour Jésus. Donne-moi ta meilleure acclamation pour Jésus. Si tu étais au stade, tu allais crier plus fort. Si tu étais au terrain de football, tu allais crier plus fort. Alléluia! De la manière tu l'acclames, c'est comme ça ta victoire est établie. De la manière tu l'acclames, c'est comme ça ton témoignage est établi. Alléluia! Vas-y, assieds-toi dans la joie du Seigneur. Je connais sa valeur, c'est pourquoi je le loue. Je connais sa valeur, c'est pourquoi je le loue. Je connais sa valeur, c'est pourquoi je le loue, loué, loué. Il s'appelle Emmanuel, je veux le louer. Il s'appelle Adonai, son nom c'est Jéhovah. Il
En espagnol, c'est Dios. En barre, c'est Wena. Et à l'ingala, Zambé. Loué, loué. Loué, loué. Loué, loué. Oh, loué. Debout, veuillez vous asseoir et ouvrez votre Bible avec moi dans Genèse, le chapitre 49. Merci, Écho Céleste, et nous lirons les deux premiers versets, c'est-à-dire le verset 1 et le verset 2 de Genèse 49. Genèse 49, verset 1 à 2, la Bible dit. Oui. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous. » Et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Jacob appela ses fils et leur dit, assemblez-vous mes enfants, je vous dirai ce qui arrivera dans la suite des temps. Vas-y, termine. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Uh-huh. Écoutez, Israël. Votre père. Écoutez Israël, votre père. Aujourd'hui, je viens pour terminer ce message que j'ai abordé 3 semaines en arrière avec vous, intitulé La suite des temps. Alléluia. Écoutez-moi, le vieillard rassemble ses fils à titre de rappel après un certain parcours d'expérience avec Dieu, après un parcours de visitation avec Dieu, après un parcours de révélation de Dieu dans sa vie personnelle, après un parcours d'impact divers dans les différentes réalités circonstances de sa vie. Il appelle ses fils au nombre de 12 et il a fait une déclaration peu commune. Il dit, mes fils, je vais vous dire ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Tous ses fils avaient eu une vie uniquement à partir de lui. Tous ses fils avaient une position à partir de lui. Tous ses fils avaient ce qu'ils avaient à partir de lui. Et lui, il se sentait parti dans peu de temps. Maintenant, il appelle les fils et lui dit, au-delà de ce qu'on a vécu, au-delà de ce que vous avez connu avec moi, je vais partir bientôt. Mais il y a une suite. Ça veut dire quoi? Peu importe ce que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas au terminus de ce que Dieu est encore capable et est encore prêt à faire pour nous. Alléluia. Et comme le Père a rassemblé ses fils, je viens, je suis ton père spirituel. Je suis venu t'appeler pour dire assieds-toi. Il y a une suite après tout ce que tu as expérimenté. Il y a une suite après tout ce que tu as connu dans la vie. Grand ou petit, merveilleux ou triste, glorieux ou petit, je suis venu te dire, peu importe ce qui a été vécu jusqu'à aujourd'hui, pour 2023 et après, il y a une suite, alléluia. Et la merveilleuse, ce qu'il y a de merveilleux dans cette histoire, c'est que la suite sera plus glorieuse que ce qui a été précédent, alléluia. La suite sera plus magnifique que ce qui a précédé. Voici ce que le Père était en train de dire à ses fils, et voici ce que je suis venu vous dire. Quand tu t'attaches à l'église, ou quand tu t'attaches à une église, tu attaches ta vie à une destinée. Aller à l'église dans un endroit particulier, ce n'est pas un acte anodin. On ne part pas à l'église en fonction de ses humeurs. Et on ne part pas à l'église en fonction de ses frustrations. Je suis frustré ici, je me retrouve ici. Je ne suis pas content là, alors je pars là. On m'a combattu ici, je pars là-bas. Et voici pourquoi beaucoup de personnes ont mis de l'eau dans leur destinée. Ils ont dilué leur destinée. Oh, ils sont chrétiens, ils vont aller au ciel. Mais sur la terre, leur impact est terminé. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas que là où tu pries, tu rattaches ta destinée. Le pain lequel tu marches, tu rattaches ton futur.
Alléluia. Je pourrais te dire sans prétention. Nous sommes le futur de l'évangile pour cette génération. Non, non. Avec ou sans ton amen, avec ou sans ton acceptation. Ce n'est pas un débat. Soit ton observation te permet déjà de le capter. Soit la dureté de ton cœur t'empêche de le recevoir jusqu'au jour où tu diras, je savais que ça devait être comme ça, mais je n'ai pas voulu accepter. Pourquoi est-ce que je vous dis ceci? Parce que la suite qui va suivre les fils de Jacob était rattachée à leur connexion à Jacob. Il dit, rassemblez-vous mes fils. Il dit, écoutez votre père. Il dit, écoutez Israël. Ce qui veut dire, votre suite que je vais annoncer est déterminée à votre connexion à ma personne et à mon appel et à ma destinée. Jacob est appelé patriarche. Le père de Jacob, à savoir Isaac, est appelé patriarche. Le père de Isaac, appelé Abraham, est appelé patriarche. Ils sont trois dans l'économie d'Israël qui sont identifiés avec le terme patriarche. C'est Abraham, c'est Isaac et c'est Jacob. Personne d'autre n'est appelé patriarche. Moïse n'est pas considéré au nom de patriarche. Il y a eu beaucoup de personnages marquants, mais ils ne sont pas concernés au nom de patriarche. Ceux qu'on appelle les patriarches, ce sont les initiateurs de la nation et du peuple. Ça veut dire que Dieu prend Abraham et avec Abraham, il donne à Abraham un enfant qui devient Isaac. Isaac a deux fils. Des deux fils, un ressort qui s'appelle Jacob. De Jacob sont 12 fils. Des 12 fils sont constitués les 12 tribus qui constituent la nation. Parce que dans le ciel, ma Bible dit, il y a 12 portes qui sont les 12 tribus d'Israël. Il dit, il y a 12 trônes. Donc, ils étaient les trois, les géniteurs, les constituteurs de cette tribu qui n'avait jamais existé. Donc, leur avenir, leur destinée était connectée à cette lignée. Beaucoup de personnes ont un problème spirituel. Ils n'ont pas de lignée. Ils peuvent même avoir une église où ils prient. Ils n'ont pas de lignée. Parce qu'ils prient ici parce que quelque chose s'est passé de l'autre côté. Ils sont là-bas. Celui-là, c'est mon ancien père spirituel. Pourquoi est-ce que c'est ton ancien père spirituel? Parce que deux, trois choses se sont produites par ici et par là. Comprends? Je ne parle pas comme personne. Je parle justement en faveur de tout le monde. La destinée qui était garantie pour leur futur était rattachée au fait que c'était leur père qui leur exprimait. La garantie de vivre le futur est déterminée par l'appui de ton passé. Il dit, mes fils, rassemblez-vous, écoutez la voix de votre père. Il y a une suite des temps. La suite des temps est rattachée au fait que vous êtes connecté à un père. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Combien d'entre vous me disent amen? Alléluia. Il dit qui garantit une suite supérieure aux limitations de votre vie, de votre parcours. C'est votre connexion. Es-tu connecté à Dieu? Es-tu authentiquement connecté à Dieu? Es-tu profondément connecté à Dieu? Es-tu un surfacien ou es-tu profondément rattaché à l'Éternel? Voici la première source qui est la garantie d'un lendemain heureux, qui est la garantie d'une suite heureuse. C'est ton enracinement en Dieu, c'est ton attachement en Dieu. Beaucoup sont superficiellement dans l'église, mais manquent d'enracinement en Dieu. Si prompt à abandonner face à l'épreuve, si prompt à abandonner face à la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il leur manque un enracinement. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. La garantie d'une suite
favorable se trouve principalement dans ton appui en Dieu. Ma Bible dira à propos de la parole et de l'enracinement en Dieu. Deux hommes ont bâti leur maison, l'un sur le sable, l'autre sur le rocher. Le vent est venu, la tempête est venue sur les deux maisons. Être en Jésus ne t'épargne pas de la tempête, mais te garantit de sortir victorieux de la tempête. Alléluia. Pourquoi je prie et je souffre? Parce que prier ne t'empêchera pas de souffrir. En effet, tant que tu es vivant, il y a une tempête qui va t'attaquer. Tant que tu es vivant, il y a une vague qui va venir. Ça n'a rien à voir si tu es chrétien ou pas. Ça arrive pour tous les hommes. C'est la preuve que tu sois vivant. Adam et Ève étaient en Dieu. Ils ont été attaqués. Tant que tu es sur la terre est un champ de guerre. Depuis le jour où il y a eu guerre au ciel, le Dieu du ciel, là où il y avait la guerre, est venu créer la terre. Il a amené la guerre du ciel avec lui sur la terre. Parce que la guerre qu'il y avait au ciel, c'était pas contre nous, c'était contre Dieu. Ma vie de Lucifer a détourné un tiers des anges et a monté un coup d'état contre Dieu. Et il a échoué. Et il fut précipité. Ok? Entre l'épisode de sa précipitation et sa manifestation à notre connaissance, il y a eu la création de la terre. C'est-à-dire qu'après que Lucifer a été précipité hors du ciel, Dieu maintenant s'est levé, il dit allons faire la terre. Donc son ennemi existait déjà pendant qu'il venait pour créer la terre. Donc à partir du moment où Dieu crée la terre, l'ennemi tombe sur cette terre. Pour continuer sur la terre, la guerre qui n'a pas pu remporter au ciel. Et c'est dans ce climat de guerre que nous avons été mis sur la terre. Donc, tant que nous sommes sur la terre, un ennemi peut nous confronter. Mais il y a une garantie qui existe. Regarde, tant que nous sommes sur la terre, on sera attaqué. Mais tant que nous sommes en Dieu, on sera victorieux. On ne s'est pas entendu ton amen. Homme de Dieu, je donne ma dîme, mais mes finances n'avancent pas, c'est normal. On ne donne pas la dîme pour que les finances avancent. On donne la dîme parce qu'on aime Dieu. Si tu veux que tes finances avancent, donne sacrifice. Si tu achètes un monde de la préservation, la dîme te préserve, préserve tes enfants, préserve ta famille et garantit que le ciel soit ouvert. La dîme veille à ce que ta santé soit gardée dans le cours de ta vie pendant que tu es en train de te battre pour te réaliser. La dîme, c'est le support. Personne ne peut se lever sans avoir un support. Aucun avion ne décolle s'il n'a pas un tarmac, s'il n'a pas une piste de décollage. À ce long qui lui permet de prendre son élan pour monter. La dîme, c'est ton fondement. Si tu ne payes pas ta dîme, c'est ton problème. Tu ne vas pas aller en enfer pour cela. Tu ne vas pas aller en enfer pour cela. Mais il y a certaines frustrations qui te sont garanties sur la terre. Il y a certaines interventions de Dieu qui sont certaines de ne pas pouvoir être manifestées. Ok? C'est bon? Yes, on ne donne pas la dîme parce qu'on espère monter. C'est le niveau basique quand tu donnes la dîme. Tu entends de dire, Seigneur, tout ce que j'ai, c'est de toi. Ça, c'est pourquoi j'en ai 10% pour te l'apporter. D'où le terme dîme. Dans tout ce que Dieu a fait, qu'il a donné à l'homme, il y a une partie qui a dit à l'homme, ne touche pas. C'est la marque dans ta vie de ta soumission à moi. C'est la marque dans ta vie de ta soumission à moi. Tu n'es pas soumis à l'argent. Tu n'es pas soumis au travail. Tu es soumis à moi. Voici pourquoi tu peux enlever pour me donner. La raison pour laquelle on donne, c'est parce qu'on l'aime. Dieu pour créer sa préservation dans tout ce qui concerne la vie. Trois, afin qu'il y ait à manger dans sa maison. Dieu dit que dans sa maison, il doit y avoir à manger. Mais est-ce que Dieu mange du riz? Donc s'il doit avoir à manger dans la maison, qui doit manger sa nourriture? Non, il pose la question. Parce que certains chrétiens sont un peu trop saints, plus saints que Dieu. Il te pose la question, il dit, Malachi, afin qu'il y ait à manger dans sa maison. Manger là qui mange. Hein? C'est qui? C'est vous. Vous qui? La fille là-bas dit, c'est vous. Vous qui? Non, qui mange? Non, c'est une question logique, il faut qu'on se le dise. Il dit qu'il y a à manger. Dieu dit clairement, voix dîme que vous envoyez, c'est pour qu'il y ait à manger dans ma maison, dans mon église. Maintenant, Dieu ne mange pas la nourriture, il ne mange pas les riz, Dieu ne paye pas le loyer. Qui mange? Hein?
Réponds doucement à ton voisin, il va m'aider. Qui mange? Il y a un petit riba. Hein? Les serviteurs de quoi? Quel serviteur de Dieu? Dans l'église, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Hein? Voici une servante de Dieu qui vient d'avoir voiture. Il y a beaucoup de serviteurs, les chantres, tous les denis, c'est les serviteurs de Dieu. Quel serviteur de Dieu? Quel serviteur? Hein? Le père de la maison, c'est qui? Non, quel père? Parce que maintenant tout le monde est père, tout le monde sort sur Facebook, il est père. Tout le monde, ici même les gens, ils sont, on les appelle papa. Quel papa? Quel père? Hein? On n'a qu'à se répondre, on va bien se comprendre. La Bible doit être pratique et claire. Quand tu sors, personne ne peut te branler pour dire à son, toi c'est, tu sais consciencieusement ce que tu es en train de faire. Qui mange la dîme là? Qui la nourriture, c'est qui mange? Quel papa, quel papa. Attends, il met les 10 000 dans ma poche déjà. Il veut manger ça. Si tu es fâché, quand je veux prier, il faut sortir. Quand je veux bénir les gens, il ne faut pas me donner ta tête aussi. Quand je veux déclarer la prospérité, il ne faut pas venir aussi. Non, qui? Yana. Hein? Quel papa? Comment? Le révérend Michael, oui, tu parles bien. Je ne le connais pas personnellement. Mais je sais que dans cette église, c'est lui le père. Et non, le pasteur, il vole l'argent de l'église. Comment il peut voler l'église, l'argent de l'église que c'est moi qui ai créé? Non, il te pose la question. Et toi, tu voles l'argent de ton atelier. Non, non, on a encore 10 000 ici. Aïe, 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 aïe. Que Dieu, ça, c'est les bons enfants. Non, écoutez, non, écoute doucement. La société que tu as créée, qui vient t'accuser que tu as volé l'argent? Tu voles l'argent de quelqu'un si on t'a embauché. Si tu es fonctionnaire et puis on te donne un budget, tu prends, tu as volé. Si ton église a volé son argent, tu m'as affecté sur ton église et je suis allé voler là-bas. Quelqu'un s'est assis et sa femme. Lui-même paye chaise. Lui-même paye maison. Lui-même, terrain même où tu es assis en train de faire église, c'est lui-même qui a payé ça. Église où tu es assis, c'est lui-même qui a construit ça. Toi, tu vas aller parler, dire qu'il voit l'âme de l'église. Quelle église? L'église de ton papa? Non, je veux que les chrétiens soient équilibrés. Parce qu'ils sont un peu sainte ni douce, un peu naïfs. Non, quand on donne la tire, tu vois. On met ça dans un an, je prends et puis monte au ciel. Un an, il ne monte pas quelque part avec. Mais j'avance. Parce que. Non, parce qu'il faut que tu sois équilibré. Quand tu sors, et puis on te parle, tu dis oui, et puis quoi? Dans la vie, c'est quelqu'un qui donne à quelqu'un. Je donne ça à mon père, il me donne aussi la prière. C'est quoi qui te fait mal? Un de mes fils m'a écrit ce matin, il est au Mali. Il dit, papa, vendredi, j'ai rêvé qu'on était en train de m'enterrer. J'étais, mais qu'ils ne vont nulle part dans la destinée. C'est paradoxal. Parce que tout ce qu'un homme doit accomplir sur la terre, doit le faire par l'accompagnement d'un autre homme. Si tu cherches les choses du ciel, sur la terre, tu peux marcher avec les anges au ciel. Mais pour tout ce que tu dois bâtir sur la terre, les seules personnes qui n'ont pas eu besoin de transiter par un homme sont des gens que Dieu a suscités comme des précurseurs. Avant eux, dans leur domaine, personne n'a jamais existé. Alors, ils ont été les premiers et ils ont été fustigés. Mais à partir d'eux, personne n'est jamais apparu ex nihilo, à partir de rien. Ils ont toujours apparu à partir d'eux. Élie a apparu à partir de personne. Il est sorti du désert et il est venu parler. Même son papa, sa maman, on ne connaît pas le nom. Mais à partir d'Élie, aucun prophète n'a pu apparaître sans qu'on ne connaisse son père. Il ne faut pas avoir honte de tes 1000 francs, ma fille. Je mets aussi dans ma poche. Et l'homme de Dieu n'a même pas honte. Non, viens, il prend l'argent, il met dans ma poche. Moi-même, là, avant, il y avait l'argent aussi dans ma poche. Moi-même, j'ai mon argent. Il ne faut pas penser que quelqu'un est en train de me faire du bien. Quelqu'un est en train de se bénir. Élisée, on connaissait son. Tous les prophètes apparaissaient avec une identification paternelle et maternelle. Personne ne connaissait le papa d'Élie. Personne ne connaissait la maman d'Élie. Parce que l'homme était un initiateur. Il était sans père. Tous les prophètes qui ont apparu sont sortis d'eux. À partir d'Élisée. Sont sortis d'eux. Les seuls qui sont venus
sans attache initiale, sont ceux qui devaient initier quelque chose et tracer la voie pour que d'autres y entrent. Il dit, asseyez-vous mes fils. Asseyez-vous, approchez. Votre suite est d'abord garantie par votre attachement à Dieu. Rien ne peut remplacer ça. Rien ne pourra jamais remplacer. Pas des circonstances que vous vivez dans la vie. Votre attachement à Dieu ne dépend pas de votre travail. Votre attachement à Dieu ne dépend pas de si ça va ou si ça ne va pas. Votre attachement à Dieu dépend de Dieu et de rien d'autre que Dieu. Et comme rien d'autre n'est rattaché à cela, rien d'autre ne doit pouvoir te détacher. Voici pourquoi Paul dit, nous savons du reste. Il dit, nous savons que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de la... Et il va aller très loin. Il dit, ni la vie, ni la mort. Ça veut dire, c'est pas parce que je suis vivant que je vais me séparer de lui. Et même si je suis confronté à la mort, ce n'est pas suffisant de me faire séparer de lui. Et il a prouvé cette déclaration. Parce que c'est persécuté qu'il est mort au nom de Jésus. Le grand apôtre Paul a été décapité. Hein? Ma vie, c'est Jésus. Même la mort m'est un gain. Ta vie est attachée à Dieu. Aucune circonstance de la vie ne peut te déconnecter de Jésus. C'est à ce niveau que tu dois arriver. Il serait malhonnête pour moi de te parler d'une suite et te faire espérer sans te montrer la source de cette espérance qu'est Jésus. Parce que tu vas penser que c'est ma prière, tu vas penser que c'est ma capacité, tu vas penser que c'est ma force. Non, c'est ton appui en lui. Papa, je suis découragé, donc je ne veux plus. Le découragement ne peut pas te faire laisser Jésus. Ok? Oui. À chaque fois que tu es découragé, va un peu à la morgue. Va essayer de voir ce qui se passe là-bas. Et tu vas comprendre. On peut chanter, tu dis. On peut chanter, tu dis. Tu as Ouagadougou ici, tu ne peux pas venir à l'église. Lève-toi, il faut partir à Dori. Aujourd'hui, demain matin. Tu vas comprendre que ta vie, ça va encore mieux. Tu faut vivre ma quête ensemble. C'est ma fille qui est partie à Dori là-bas. Elle dit, il n'y a plus d'arbres sur les feuilles. Pardon, il n'y a plus de feuilles sur les arbres parce que les gens enlèvent les feuilles pour manger. Et toi, assis ici en train de maudire Dieu. Paul dit rien, rien. Il dit ni la vie, ni la mort. À lui, détaché de tout intérêt, détaché de tout profit, détaché de tout désir, pur enracinement à Dieu, brut. Pas parce que je veux ça, je suis Dieu. Pas parce que je cherche ça, je suis Dieu. Pas parce que je veux me marier, je suis Dieu. Un engagement brut et pur pour Dieu. Pourquoi tu aimes Dieu? J'aime Dieu parce que j'aime Dieu. Mais tu l'aimes pourquoi? Je l'aime parce que je l'aime. Il a fait quoi pour toi? Il n'a rien fait pour moi. Mais pourquoi tu l'aimes? Je l'aime parce que je l'aime. C'est ça l'appui. Quand Dieu trouve de tels hommes, il sait que de les élever, ils ne vont pas s'égarer. Il sait que de les bénir, ils ne vont pas se perdre. Mais parfois, Dieu regarde, il sait que c'est l'argent qui va te tuer. Il sait que c'est l'argent qui va te faire t'égarer. Il retient l'argent. Et puis, il veut saisir ton cœur. Dieu peut te bénir du jour au lendemain. Non, Dieu peut te bénir en 24 heures de la pauvreté à la richesse maximale. Il est terrible quand tu veux le faire. Mais il cherche ce dont le cœur est tout entier en lui. La raison pour laquelle tu dois l'aimer, c'est que tu dois l'aimer. Aimer Dieu n'est pas... Ce n'est pas en fonction de comment les choses se passent. Tu l'aimeras, c'est tout. Michael, tu t'as déçu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Oh, l'église m'a découragé. Tu aimeras l'Éternel. Dépourvu de tout intérêt. Aimer Dieu parce que tu l'aimes avec ton cœur. Pour rien. Tu comprends ce qu'on te dit? Très peu de personnes sont à ce niveau. Très peu de personnes sont à ce palier. La plupart d'entre nous aimons Jésus parce qu'on nous a dit rattaché à ça. Mais Charles Shadak et Abednego ont été capturés, jetés dans la fournaise. Adam, sur le processus de les jeter, il dit nous savons, nous savons, nous savons que notre Dieu peut
nous délivrer de cette fournaise. Mais même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas devant ces statues. Voici des hommes qui croient en la capacité de Dieu, mais dont l'amour pour Dieu est supérieur en la croyance à sa capacité. Tu aimes Dieu parce que tu l'aimes. Tu ne l'aimes pas parce que tu veux être un prophète. Tu ne l'aimes pas parce que tu veux qu'il fasse ci ou ça. Tu l'aimes parce que tu l'aimes. Et c'est parce que tu l'aimes que tu le sais. C'est parce que tu l'aimes que tu donnes tes ressources. C'est parce que tu l'aimes que tu travailles dans sa maison. Tu l'aimes de manière pure et désintéressée. Point. Beaucoup d'entre nous sont trop intéressés avec Dieu. Nous sommes trop intéressés. Toutes nos actions sont conditionnées. Nous sommes trop intéressés. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas faire. Il le fait et il le fera encore ce matin. Mais la base de notre amour pour lui, c'est lui. Parce qu'il fait. Parce qu'il est capable de faire. Pas comment il peut libérer. Mais parce qu'il nous a aimés le premier. La suite favorable que tu espères est garanti par ton appui. J'ai pris des heures et des jours et des mois et des années à chercher Dieu dans le jeûne, dans de longues heures de prière. Pas parce que je désirais être prospère, pas parce que je désirais être enrichi, parce que je désirais le connaître, parce que je désirais l'aimer, parce que je désirais être avec lui. Quand j'étais là-bas, c'est là qu'il est venu me parler pour dire, je veux t'emmener dans les nations, je veux faire de toi un prophète pour les nations, je veux t'emmener dire aux gens que je guéris, t'emmener donner un espoir à ceux qui n'ont pas d'espoir. Il me l'a dit pendant que je le cherchais lui, pas pendant que je cherchais la puissance. Est-ce que vous comprenez? La suite favorable est garantie par quoi? Par ton enracinement et ton attachement en Dieu. Je prie que ton amour pour Dieu soit amplifié ce matin au nom de Jésus. Je prie que ton attachement, ton engagement pour Dieu soit amplifié ce matin au nom de Jésus. Vas-y, dis Amen. Vas-y, dis Amen. Si je t'avais dit que ton argent augmente, tu serais déjà debout en train de sauter. Mais je suis en train de dire que ton amour pour Dieu augmente. Dis-moi Amen. Vas-y, assieds-toi. C'est prioritaire. C'est prioritaire. Quand cette chose est établie, et je prie que ça soit établi, je prie selon le cœur vacillaire, à cause des réalités de la vie, que ton cœur soit enraciné, établi en Dieu. J'aimerais prier pour les jeunes gens, pour les jeunes filles, qu'une passion pour Dieu naisse dans votre cœur au nom de Jésus. Une pour Dieu naisse profondément au fond de votre âme au nom de Jésus. Que rien dans le monde ne puisse vous déconnecter de Dieu. Que rien dans les réseaux sociaux ne puisse vous déconnecter de Dieu. Que rien dans votre génération ne puisse vous déconnecter de Dieu. Que rien dans votre environnement ne puisse vous déconnecter de Dieu. Que aucune tentation ne puisse vous faire abandonner le Seigneur. Je prie que vous soyez enflammés pour Dieu. Je prie que vous soyez passionnés pour Dieu. Je prie pour la jeunesse de Galilée. Je prie pour l'église du Seigneur. Que la passion de Dieu prenne le dessus dans ton cœur ce matin. Que la flamme de l'amour de Dieu s'accroisse et s'établisse en toi au nom de Jésus. Tu ne t'égareras pas, mais toi tu ramèneras les autres qui se sont égarés au nom de Jésus. Tu n'envieras pas le monde, mais ta marche donnera au monde d'envier ce Jésus. Comme dans vous me dites Amen. Que réveil soit dans ton cœur pour Dieu. Que réveil soit dans ton cœur pour Dieu. Assieds-toi. Aucun matériel, aucune pénition ne t'amènera à abandonner Dieu. Ce que je vous dis est sérieux. Une de mes filles, une petite fille de l'église, est venue me voir pour que je prie pour elle. Elle était désolée dans le repentir. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, un garçon m'a dit que si je couche avec lui, il va me donner un iPhone. Il dit attention à la suite. Elle dit, et je l'ai fait, et il ne m'a pas donné le iPhone. Il dit, tu as quel âge? Beaucoup de gens vont en enfer à cause de l'iPhone. Hein?
J'ai dit, t'as donné, quand il a fini de coucher avec elle, après, il dit qu'il n'a plus l'argent pour lui donner. J'ai dit, donc c'est ton tour comme ça. C'est juste ce que tu veux. C'est tout. J'ai dit, plus jamais dans ta vie. Plus jamais dans ta vie jusqu'à ce que tu quittes la terre. Tu ne sois identifié dans une telle action que tu es en train de m'expliquer. Même si on te dépose le milliard sous les yeux, garde-toi et garde ton principe. Elle dit oui, papa. Donc, quand je suis en train de dire, s'enraciner en Dieu, il ne faut pas penser que je suis en train de vouloir faire de l'extrémisme religieux. Tu as besoin de t'enraciner à Dieu. Les gens disent toi que les enfants me racontent. Si je t'explique ici, tu vas comprendre que toi-même, tu as 60 ans, tu ne connais pas encore la vie. Non, non, tu vas comprendre que tu ne connais pas encore la vie. Une petite fille de 14 ans s'est assise dans mon bureau. Quand elle m'a expliqué les choses, j'ai dit, il faut partir à la maison. J'ai besoin de récupérer de ce que tu viens de m'expliquer. Viens la semaine prochaine. J'ai dit, il faut partir à la maison. Mais si tu restes devant moi, je risque de te gifler. Il faut partir, je vais digérer ça. Viens la semaine prochaine, il va ouvrir la Bible maintenant avec toi. 14 ans. Son niveau est loin. Loin. Non, non, ça dépasse ce que tu as imaginé. Quel que soit ce que tu imagines maintenant, ça dépasse ça. Loin. J'ai dit, il faut partir à la maison, sors. Viens la semaine prochaine, laisse-moi récupérer avant que tu viennes qu'on continue la conversation. C'est pourquoi j'ai dit ce matin que ton enracinement soit inébranlable. Que les gens d'amour de Dieu qui naissent dans ton cœur puissent supprimer ton monde, puissent contaminer ton école, puissent contaminer ta famille, puissent contaminer ta connaissance. La capacité d'être enraciné en lui soit établie en toi au nom de Jésus. Tu ne seras pas vacillant, tu ne seras pas instable, tu seras établi dans son amour au nom de Jésus. Et rien ne pourra te faire lâcher, rien ne pourra te faire abandonner. Fais-y, dis amen, bien. Je ne peux pas laisser Jésus. Ah non, non, je ne peux pas. Dis avant moi. Non, non, Jésus. Non, non, je ne peux pas le laisser. Jésus, oh, non, 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 je ne peux pas, oh, je ne peux pas, je ne peux pas, non, non, je ne peux pas, oh, je ne peux pas, Jésus, oh, assieds-toi tranquillement. Si l'on me donnait tout l'or du monde. Ah, 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 tu le laisses si facilement. Tu le laisses si facilement. Tu le laisses si facilement. Quand d'autres sont passés par pire que toi et sont encore accrochés. Quand d'autres sont passés par pire que toi. Ah, ce que j'ai traversé n'est pas ce que tu as traversé. Mes frères, j'ai aussi traversé. Je ne l'ai pas laissé. Une camarade de classe à ma terminale au lycée classique d'Abidjan est venue devant toute la classe. Entre midi et 2, 13 heures par là, pendant qu'on attendait le prochain cours. Elle dit, Mickaël. Elle s'est arrêtée comme ça, mais elle a levé la tête. Elle dit, oui. Nadia. Elle dit, tu es un PD. Tu es un homosexuel. Tu n'es pas un garçon. Elle dit, ah, ah. Toute la classe a commencé à exploser de rire. J'ai dit, mais. Elle dit, tous les garçons de la classe me cherchent. Moi, je te cherche, tu ne réagis pas. Tout le monde, tous les gars ici. Elle dit, lui là, et tous. Moi, je te montre tout. Tu ne réagis pas. Tu ne prends. Il dit pardon.
avoir parlé. Après, dis non, laisse-moi. Donc, comme je parle, quand je lui parle, ça aggrave. J'ai fermé ma bouche, j'ai baissé ma tête en attendant que le coup reprenne rapidement. C'est les gens qui sont allés la calmer et la ramener à la place. La fille ne m'a plus jamais parlé. Jusqu'à ce qu'on quitte le lycée. Même si elle me croise dans la rue, elle m'a fait comme si elle ne m'a jamais vu. Sa frustration était grande. Mon ami, c'est terminal. Il n'était pas marié, mon ami. Je ne connaissais pas maman. Qu'est-ce qui m'attrapait? La fille n'était pas vilaine. Non, c'était la plus belle fille de la classe. Qui me regardait? Qui m'attrapait? Après, je suis venu lui dire, tu sais, c'est à cause de Jésus. Je suis sûr qu'elle a détesté Jésus à cause de moi. C'est à cause de Jésus. Je ne peux pas laisser où Jésus est. Ah non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, non, je ne peux pas le laisser. Oh, mon frère, oh, faut pas le laisser. Enracine-toi en lui. Tout ce... Regarde. J'ai laissé la plus belle fille de la classe. J'ai gagné la plus belle fille de la nation. Je ne peux pas le laisser. Non, non, je ne peux pas le laisser. Non, non, je ne peux pas le laisser. Faut pas le laisser. Mon ami, chacun parle pour lui. Si c'est pour toi qui est la plus belle femme, il faut aussi dire, personne ne va t'arrêter. Voyez le monsieur là, quand je lui demande un document, il a dit fais-moi un petit document. Mathématiques qui va mettre dedans pour m'envoyer. Quand je m'assois, il dit s'il te plaît, viens. Moi, toi, tu es mathématique, moi, je suis prophétique. Je vais te montrer comment on peut transcrire les maths en prophète. Quand j'ai fini de l'expliquer, il dit oui, ça c'est bon, c'est très lisible, c'est mieux. Je dis voilà. Sinon, là où les N plus 1, j'ai dit mon ami, même à l'école, Dieu ne m'a jamais aidé dans ce niveau. Et je ne cherchais pas à ce qu'il m'aide. Alléluia. C'est, il faut t'appuyer en lui. Tu es si fragile. Tu abandonnes si facilement. Tu déprimes si facilement. Tu te décourages si facilement. Tu renonces si facilement. Tu laisses tomber si facilement. Si tu sens que ton enracinement à lui t'a laissé des opportunités, ce n'est pas grave. Qu'elle parte. Qu'elle parte. T'a laissé des privilèges. Qu'il parte. Si ton enracinement à Dieu doit être vendu au prix de certains bénéfices, que ces bénéfices partent. Garde ton Jésus. Car à quoi sert un homme de gagner le monde si perdait ton âme? Appuie-toi à lui. C'est lui qui garantit une suite. Les gens qui parlent et qui t'encouragent. Non de ceux qui te démotivent. Fais-toi motiver par ceux qui sont en train d'avancer et qui t'ont devancé sur le chemin que toi tu veux prendre. Mon ami, si ton ami réduit le désir dans ton cœur de t'attacher à Jésus, que ça ne soit plus ton ami. Yes. Yes. À moins que cette amitié soit à dessein pour le gagner, en sachant que tu as la force pour ça. Un jour, il y a un gars qui marche seul. Il rentre dans un coin de prostituée, il dit, c'est moi évangélisé. Ah, ah, petit, tu es courageux. Hein? Et il s'en va la nuit à 18h30, 19h. C'est une cour. C'est une cour. La cour, c'est elles seulement qui sont là-bas. Mais tu ne parles pas avec quelqu'un. Il dit non. Il est ressorti à beaucoup de dégâts. Je te promets devant le Seigneur. Il n'est pas ressorti de là indemne. Il est venu pleurer. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis parti évangéliser dans le coin là. Les filles là l'ont évangélisé. Si tu ne comprends pas le langage prophétique, il faut continuer de grandir.
Je ne sais pas si les filles avaient un problème, si elles avaient un manque, s'il y avait un déficit dans leur système. Mais quand elles ont gagné, elles l'ont saisi. Je ne sais pas si c'est les démons qui les ont motivées. Mais quand elles l'ont gagné, elles l'ont saisi. Et il y a certains domaines que quand on te saisit, il est difficile que toi-même tu puisses lutter pour te dessaisir. Ça, c'est pourquoi la Bible dit que c'est mieux de fuir. Parce que quand on t'attrape pour te voler, tu peux te battre de toutes tes forces. Mais il y a certaines choses que quand on t'attrape, même tes forces ne veulent plus se battre. Jean a motivé ta flamme. Déconnecte-toi. Reste avec les gens qui te donnent envie de l'aimer. Qui ravivent ta passion. C'est le premier élément pour une suite favorable. Deuxième élément. Écoute ton père. Écoute, il dit assemblez-vous mes fils. Il dit écoutez votre père. Écoutez Israël. Il a dit deux choses. Il dit écoutez votre père. Ensuite, il dit écoutez Israël. Parce que votre père est Israël. Votre père, c'est votre géniteur. Le papa que vous connaissez dans la dimension naturelle. Israël, c'est la version divine dans le géniteur naturel. Il dit, écoutez votre père. Ça veut dire que le père a deux facettes. Il a la facette naturelle. Il a la facette surnaturelle. Il dit, à écouter Israël. C'est ta suite doit être garantie. Apprends à écouter un père. Prends suite un père. Dans la mesure où la garantie existe dans ton cœur que cet homme est un homme d'expérience avec Dieu. Est un homme de parcours de vécu avec Dieu. Est un homme de sérieux en consécration avec Dieu. Écoute ce père. Écoute un père. Regarde, dans les 5 premiers chapitres du livre de Proverbes, la parole revient de manière récurrente par Salomon. Il dit, mon fils, écoute la parole de ton père. Attache mes enseignements à tes bras. Attache-la à ton front. Il dit, elle sera la vie pour tes os. Il dit, elle sera la vie. Il dit, écoute ma voix. Écoute ma parole. Les fils qui se sont égarés sont ceux qui n'avait plus égard pour la voix d'un père, parce que la destinée que Dieu te révèle est cachée dans la voix, dans l'instruction, dans l'enseignement et dans la conduite d'un père. Il dit assemblez-vous, je vous le dirai comment, par télépathie? Non, ma voix vous va vous communiquer ce que votre vie va devenir. Beaucoup stagnent, ils n'écoutent pas la voix d'un père, ils ont leur propre voix et ils la suivent jusqu'à la destruction. Tu parles et ils partent, ils vont faire autrement. Si vous n'avez pas égard à la voix, vous n'avez aucun profit dans la grâce. Si vous n'avez pas égard à la voix, vous n'avez aucun profit dans la grâce. Ça ne va pas marcher pour toi. Si tu n'as pas égard, tu vas juste stagner là. Tu vas juste tourner en rond. Je vais te bénir de tout mon âme. Mais Dieu ne va pas te pousser. Parce que Dieu sait que tu n'écoutes pas ma voix. Dieu le sait. Dans le secret de ta maison, tu n'écoutes pas. Dans le quotidien de ta vie, il sait que tu n'écoutes pas. Personne ne va faire la police derrière toi. Mais la grâce, si tu as un autre moyen d'être élevé, il faut aller le chercher. Parce que même si tu suis le diable, tu dois apprendre à écouter sa voix. Même si tu suis le féticheur, tu dois apprendre à écouter sa voix. Et tous ces gens s'inspirent du système de Dieu. Quand ils suivent la voix, il y a la voix orale avec X à la fin. Et il y a la voix chemin avec E à la fin. Suis la voix de ton père. Ça veut dire ce qu'il parle, ce qu'il communique, ce qu'il enseigne. Suis la voix de ton père. Ça veut dire comment il marche. Ça veut dire le chemin vers le Seigneur. Ça veut dire le principe, la consécration, la discipline. Ça veut dire le sacrifice. Ça veut dire la prière. Suis la voix. Ça veut dire l'honneur au Père. Suis la voix. Quand tu suis la voix, V-O-I-X. Quand tu suis la voix, pas Sora. V-O-I-X, c'est pas Sora. Que Dieu te pardonne. Tu comprends les mots, faites attention. V-O-I-X, c'est quoi? Maintenant, V-O-I-E. Voilà. Alléluia. Si tu suis la voix, la grâce va te suivre. La bénédiction va te suivre. L'autre suivait Abraham, il suivait sa voix. Sa voix orale,
sa voie chemin, l'homme a commencé à prospérer. Le jour où il était devenu suffisamment grand pour ne plus suivre la voix qu'il pouvait entendre et la voix qu'il pouvait voir, il a pris sa même voix, sa propre voix, et nous avons observé sa destruction. Beaucoup d'entre vous ne sont pas des observateurs de la vie et du vécu. J'observe la vie. Je regarde les gens. Tel chemin, je vois comment les gens ont fini. S'ils ne sont pas ressaisis. Telle manière de fonctionner. Je vois comment ça a marché dans la Bible. Dans les gens contemporains. Je regarde ici et là. Dans les temps passés, dans quelques années. Je regarde la configuration de ma vie, de mon ministère. Et je me suis en train de rendre compte que les principes sont les mêmes. Je suis la même voie. Tu auras la même finalité. Et voici pourquoi. Pour comprendre le futur, il faut comprendre l'histoire. Oh, ton père est l'histoire de ton futur. Ton père est l'histoire de ton futur. Suis la voie. Ça va exiger ton obéissance. Ça va exiger ta soumission. Ça va exiger ta promptitude. Ça va exiger ta pureté de cœur. Mais alors que tu es en train de faire ceci, regarde, qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui va se produire? Romains 8, 18, qu'est-ce qui va se produire? Lis ça, je cours à commencer à terminer. Romains 8, 18, la Bible dit, j'estime que les souffrances du temps présent. J'estime que les souffrances du temps présent. Donc, il est clair et établi qu'au présent, Paul reconnaît qu'il peut avoir des souffrances. Il dit, les souffrances du temps présent, maintenant, je comprends, j'avoue, je les reconnais. Voyez-vous, on n'omet pas ces choses. La foi n'est pas l'omission de la réalité présente, mais c'est la croix, c'est l'assurance que sur cette réalité présente se trouve une réalité meilleure qui va être attirée par notre espérance en Dieu. Vas-y. Ne saurait être comparé à la gloire à venir. Les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire. Donc, si souffrance existe, l'existence de la souffrance est la confirmation qu'il y a la gloire. Il dit maintenant, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Donc, il y a une gloire qui vient. Mais comment migrer les souffrances du temps présent vers la gloire qui vient? Parce que Galilée, il y a une gloire pour nous. Seigneur, et il m'a dit, t'es. Attends un peu. Il dit, attends un peu. Tu n'es pas en retard, attends un peu. Il dit, tu vas prendre les nations. Il dit, tu vas couvrir la fille de l'Ouest. Tu vas couvrir la vie centrale. Il dit, tu vas te répandre. Il dit, attends juste un peu, continue. Attends juste un peu. Je suis sorti ragayadir. Je suis sorti avec une piqûre d'adrénaline dans mon système. Maintenant, ce que tu penses n'est plus important. Ce que tu dis n'est plus important. Le vieillard m'a parlé. Et pour lui de me parler était une réponse à ce que je ne le cause. Il dit, appelez-le et j'arrive. Et puis il dit, assieds-toi. Je t'ai appelé pour ça. Et je me suis levé, je suis parti. Et je viens, mon père à moi m'a parlé. Je suis ton père. Je viens pour te dire, il y a une gloire à finir. Frère, si tu veux courir pour la gloire présente, vas-y, cours. Nous courons pour la gloire à venir. Alléluia. Où est le propriétaire de cette parole? Je suis venu annoncer à 328 personnes dans cette salle. Cette gloire à venir, tu seras l'un des premiers bénéficiaires. Les 10 premiers qui courent avec l'offrande sur l'autel, que cette grâce court. Dans cette gloire à venir, tu ne seras pas le dernier. Dans cette gloire à venir, tu ne seras pas en arrière. Dans cette gloire à venir, tu ne seras pas laissé pour compte. Tu seras en avant, tu seras au top niveau, tu seras à la tête. Cette gloire arrive, elle arrive pour toi. Galilée, je parle par le prophétique sur ma tête. Ce que tu vois n'est rien comparé à ce que tu verras dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir et dans les années à venir. Le monde saura que l'Éternel était avec nous ici. Les nations sauront que l'Éternel était avec nous ici. Les ennemis deviendront des partenaires, les détracteurs deviendront des suiveurs. Ceux qui ont dit non seront en train de chercher les gens pour venir parce qu'ils pourront reconnaître. On a vu, on a regardé, on a vu ce passé, on a même combattu. Mais voici la fin. Je suis venu annoncer par le divin sur ma vie. À partir d'aujourd'hui, tu entres dans une suite favorable. Tu
tu entres dans une suite favorable. Tu entres dans une suite favorable. Tu entres dans une suite favorable. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, tu entres dans une suite favorable. Peu importe les peines d'aujourd'hui, tu entres dans une suite favorable. L'avenir que tu ne vois pas encore existe, et le Seigneur le fera manifester dans ta vie. La grâce que tu ne vois pas encore existe, et le Seigneur le fera manifester dans ta vie. Écoute-moi, les derniers seront les premiers. Je suis venu dire un dernier, prépare-toi pour la première place. 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 Ton amen n'est pas à la hauteur de ma déclaration. Aide-moi à dire à ton voisin, il y a une suite favorable pour toi. Même si tu es tombé, tu te relèveras. Il y a une suite favorable. Même si tu as tout perdu, ta deuxième gloire sera supérieure à ta première gloire. Il y a une suite favorable. Même si les hommes t'ont tourné le dos, ils reviendront se prosterner à tes pieds pour reconnaître que l'Éternel est Dieu dans ta vie, pour reconnaître que Jésus est Dieu dans ta vie. Vas-y, dis-moi, amen, bien. Michel, le chapitre 7, dira, oh, mon ennemi, ne te réjouis pas trop vite à mon égard, car même si je suis tombé, je me relèverai. Et l'Éternel sera ma lumière. Celui qui t'a dépassé et qui se regarde derrière pour se moquer de toi, laisse-le rire. Celui qui a monté et qui te regarde de haut pour te mépriser, laisse-le faire encore un peu de temps. Quand il va tourner la tête derrière, il ne te verra plus. Quand il va tourner la tête en bas, il ne te verra plus. Mais quand il reviendra, il constatera que tu l'as rattrapé et que tu l'as dépassé. Que tu l'as rattrapé et que tu l'as dépassé. Là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas ton terminus. Là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas ta finalité. Là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas le dernier niveau de ta vie. Il y a encore une suite. Il y a encore une suite. Il y a encore une suite. Et si on dit, le film n'est pas encore terminé, il y a encore une suite. Tu te relèveras. Tu te relèveras. Tu te relèveras. Ma fille, tu te relèveras. Église, tu te relèveras. Il y a une gloire. Il y a une suite pour toi. Il y a une suite pour ta vie. La fin n'est pas terminée. La fin n'est pas terminée. Les gens qui t'ont incité vont venir prendre crédit chez toi. Tu me crois pas, tu peux être blague. Et juste un ami, on se connaît depuis on est petit à Abobo. Et Dieu a béni son ministère. Pendant que nous on était en train de monter tranquillement, il vient en Ouagadougou pour faire un programme. Il vient pour le saluer, bon, c'est mon ami, il me salue froidement. Il dit aux gens, non, c'est une connaissance. Excusez le coup. Il s'est parti m'asseoir. Et j'ai évité de le déranger. Jusqu'à ce que l'événement qui nous rassemblait finisse, que je parte. Je retourne chez moi tranquillement. Et le gars, j'ai appris après regarder la voiture que je conduisais. Il allait même dire, non, il conduit une petite voiture là, un petit truc, un vieux. Si on se moque de toi, qui plus tard s'est retrouvé sur une plateforme où j'étais élevé. Il est venu m'expliquer. Il dit, ah, révérende, tu es monté. Hein? J'ai dit, comment? Il dit, il y a 2-3 années, tu te souviens, notre ami était là. Il dit, oui, effectivement. Et il m'a parlé de toi après. Moi, je te connaissais même parce que dans ta bouche, je l'ai connu. Il m'a dit, là, au Burkina, bon, tu te cherches. Il m'a dit, tout ce qui est bien avec toi, c'est ta femme seulement, sinon tu n'as rien. Comment on peut dire ça à quelqu'un? Que bon, tu te bats, mais tu n'es pas de notre niveau. Il dit, il a dit ça. Il m'a dit, oui, c'est ce qu'il a dit. Il dit, écoute, laisse tomber. Il dit, mais en tout cas, aujourd'hui, il ne peut plus dire ça. Il dit, non, laisse tomber. Je n'ai jamais appelé ce gars pour lui demander, mais pour dire quoi. Je n'en ai pas voulu. Pas de souci. Quelques années après, le gars arrive au Burkina, il m'appelle. Oh, mon frère, je suis dans ton pays. C'est pas ton frère. Nous sommes des connaissances.
Je peux m'expliquer à maman, le gars là m'a appelé. Maman dit, tu vas partir. Il m'a appelé. Il souhaitait me voir. Il était pressé de me rencontrer. Et puis, j'ai réussi finalement à trouver le temps pour m'asseoir avec lui. Pour qu'il me raconte sa vie. Avec beaucoup d'humilité. Et quand quelqu'un a été humilié par Dieu devant toi, tu n'as pas besoin de l'humilier davantage. Non, il faut. Mets-le à l'aise. Elle n'a pas resté là. Un jour, j'étais à Istanbul pour faire deux, trois choses avec maman. Le gars m'appelle. Mon père est malade à l'hôpital. Et il m'a dit quoi, j'ai perdu ma carte d'identité, donc je ne peux pas faire de retrait. Est-ce que tu peux me prêter 400 000 francs? Je vais finir de soigner le vieux et tout. C'est comme ça, une urgence. Après. Dans mon cœur, j'ai dit, mais moi qui n'étais pas à ton niveau. Pourquoi c'est à moi qu'il a appelé? Parmi tous les gens. Dans notre génération, on se connaît beaucoup. Parce que là où on t'a humilié, Dieu va faire en sorte que lui qui t'a humilié, oublie qu'il t'a humilié pour venir t'honorer en te demandant. Le quartier où ils ont vu ta galère, ils verront ta gloire. Aïe, 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 aïe. Tu prospéreras dans cette nation. Ils sauront que l'Éternel t'a béni. Ils sauront que l'Éternel t'a béni. Dis à ton voisin, il y a une suite. L'église où on n'a pas cru en toi, dans cette église, on dansera le miracle de ta vie. Ah, on dirait qu'il y a beaucoup de frustrés dans cette église ce matin. Tu vois, l'église, on veut dire, ah, cette soeur-là, elle veut-tu quoi? Cette soeur qui est bizarre, ah, c'est toujours elle qui tombe, c'est toujours elle qui crie. Bientôt, ils reviendront pour célébrer les bienfaits de Dieu dans ta vie. Il y a une suite. Je ne veux point te mentir, mais je vais déposer dans ton cœur une assurance. Il y a une suite. Ceci n'est pas la fin. Voyez, quelque chose s'est passé en Israël. Une grosse famine. Une famine terrible. Il n'y avait rien à manger. Et les perspectives étaient sombres. Une femme s'est levée. Une femme de grande famille. Une femme de lignée royale. On appelle Naomi. Elle prend son mari. Elle prend ses deux enfants. Elle dit non, on quitte ici. Non, pas rester, les souffreteux. Ils ont pris une belle maison à Moab. Ils ont élevé leurs enfants. Les enfants se sont mariés. Et puis au bout de tout ce qu'elle avait, et au moment où elle pensait pour retourner, elle, une nouvelle lui parvient. Que l'Éternel a visité Israël. Désormais, l'abondance est là-bas. Elle a appelé ses belles filles. Elle dit, vous pouvez vous chercher, vous êtes jeunes, vous avez réformé. Je vais retourner parce que j'ai appris que l'Éternel a visité Israël. J'aimerais te dire cela avec tout le sérieux que j'ai pu avoir. On apprendra que l'Éternel nous a visités. Au Burkina, ils apprendront que l'Éternel nous a visités. En Côte d'Ivoire, ils apprendront que l'Éternel nous a visités. En Afrique, en Europe, ça ne sera pas caché. Ils apprendront que l'Éternel nous a visités. Nos ennemis, nos détracteurs, ceux qui n'ont pas cru en nous, ils apprendront que l'Éternel nous a visités. Je suis ton père, je te déclare, il y a une suite favorable qui vient pour ta vie. Je dis, il y a une suite favorable qui vient sur ta vie. Tu vas monter plus haut encore. Tu vas monter plus haut encore. Tu sortiras de la pauvreté. Tu sortiras de la misère. Tu vas monter plus haut encore. La suite de ta vie fera pleurer les gens qui entendront. Parce que ton témoignage sera glorieux. Ah, dis-moi, amène bien. Dis-moi, amène bien. Assieds-toi, je te dis une dernière chose. Ma fille a une suite favorable. Oh Jésus. Oh Jésus. Hey Jésus, si tu n'es pas, il faut me croire. Si tu souffres, si tu as combattu, sache que tu ne l'es pas plus que moi. Tu as compris? Sache que tu n'es pas plus que moi. Mal compris, mal interprété, pour rien. Détesté pour rien. Critiqué pour rien. Et quand se lève un matin, on dit, oh, tu penses que le gars de Saba? C'est un mystique. C'est un sorcier. Ok. Tu l'as accompagné chez les mystiques? Ou tu as pratiqué à lui la sorcellerie? Par quel don tu as détecté ça?
Non, je suis parti m'asseoir, j'ai vu ce qu'il fait. J'ai vu. Tu as vu quoi? Avec quels yeux? Il était là-bas aussi, j'ai vu aussi à mes yeux, mais je ne sais pas maintenant si c'est l'interprète. Pour rien. Parfois même on te combat. On emmène ton nom. Et puis après on veut se rapprocher de toi. J'étais avec un pasteur, j'ai expliqué ça à maman il y a quelques jours. On était assis à Papa Karambiri, il dit Papa Karambiri, le vieux, je veux profiter de l'occasion pour dire révérend, tu es là, c'est devant toi papa, je n'ai rien contre lui. Papa Karambiri n'a rien compris ce qui se passe. On était là pour autre chose. Dit, je n'ai rien contre lui. Avant, on était ensemble. Les gens m'appelaient pour dire, ah, ton gars est ici, ton gars a fait ça. Mais maintenant, les gens m'appellent pour dire que c'est eux leur gars. Oui, mais j'étais en train de suivre, je ne sais pas. Si le gars cherchait l'occasion. Puisqu'on nous a appelés pour parler d'autre chose. Le vieux même disait, non, oui, c'est ça, mais tu sais, à un moment donné, le vieux a dit ceci. Il dit, mais lui, il se protège parce que maintenant, les gens lui mettent des coups, les gens veulent lui mettre des flèches de partout, donc il se protège. Il dit, ah, je ne savais pas ça. Il sait. Parce qu'il est l'un de ceux qui a pris l'épée pour combattre un frère. Et devant le vieux, j'ai dit, non. J'ai eu même de la peine. J'ai dit, non, mon frère, on va se taper après. Laisse, on va se taper après. Mais tu as parlé devant papa. Sache qu'il n'y a pas de souci. Comme ça tenait tellement sur le cœur qu'il fallait que tu sortes devant le vieux pour ne pas qu'on retienne le vieux après. Je lui ai écrit un message tard dans la nuit de ce jour. Pour dire, sois en paix, il n'y a pas de souci. Ça me permet de sentir ce que Joseph ressentait. Lorsque ses frères l'ont littéralement tué. Parce que quand tu vends quelqu'un esclave, c'est pareil que tu l'as tué. Ce qu'il est devenu, c'est parce que c'était de Dieu. La plupart de nos parents esclaves qui sont partis ici, ils sont devenus quoi? Ils sont morts. C'était littéralement finir sa vie. Et puis il était assis là sur le trône. Puis il regardait ses frères. En train de mendier pour un peu de grain pour aller manger. Il pouvait maintenant les broyer. Il pouvait maintenant les piétiner. Puis la compassion est entrée dans son cœur. L'histoire que tu vis, il y a une fin qui va te donner. Abdoulaye, la suite est extraordinaire. Continue de prendre racine. Si je cherche quelqu'un à mentir, je me vais aux États-Unis. Il peut aller demain. Il peut aller après demain. Il n'est pas le prendre de visa. Il n'est pas le prendre de billet d'avion. Il peut aller mentir là-bas pour prendre $1. Il ne peut pas venir à Sabat te mentir. Je te parle de tout mon art. Certains d'entre vous en train de réfléchir, en train de questionner la vie. Il y a une suite. Et ce matin, je vais prier maintenant. Et je vais activer ta suite. Comment cela se fait-il? Dans la suite, moment du texte qu'on a lu, parce que ça arrêtait au verset 2. À partir du verset 3, il commence à dire la suite des uns et des autres. Et il est arrivé sur l'un de ses fils qui s'appelle Judas. Et entre autres choses, il dit Judas est élevé au-dessus de ses frères. Il dit la main de Judas est sur la nuque de ses frères. Et il va encore plus loin. Il dit le sceptre. Et le bâton de la royauté ne s'éloignera point de Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les nations le suivent. Mais qui était Judas? Quand tu lis l'histoire de la suite que son père a déclarée, c'est intéressant. Mais quel était le présent de Judas? Parce que ce que le papa a lu, c'était sa suite. Ce qu'on a déclaré, c'était sa suite. Je vais déclarer une suite. Et par la suite que le père a dit, ça a changé la vie de Judas. Quelle était la vie de Judas? Judas avait une vie compliquée. Judas était l'un des gars dont la vie était le plus bizarre parmi les fils de Jacob. Le fils de Judas a marié une fille qui s'appelle Tamar. Et le fils de Judas, le mari de Tamar est mort. Et Judas était méchant envers cette fille. Parce que dans la culture, Judas était responsable de lui donner un autre mari au milieu de ses fils. Et Judas a dit, sorcière, je vais te donner un autre de mes fils que tu le tues. Judas était un homme bizarre. Judas était l'un de ceux qui a décidé de la mort de Joseph. C'est Ruben qui est venu pour dire, même si on n'aime pas, c'est notre sang. On ne va pas le tuer. On va l'éloigner en le vendant. On sait qu'il ne va pas revenir. Sinon, si c'était Judas,
On avait tué Joseph depuis longtemps. Ça, c'est la fille de Judas. Sa belle-fille Tamar. Elle connaissait son beau-père. Elle savait que son beau-père était un adepte de prostituée. Ça, c'est la fille de Judas. Elle est partie dans un coin où il a l'habitude d'aller faire ses opérations. Elle allait se mettre bien jolie, mettre un petit maquillage, un petit ruban comme ça. Le gars a dit, ah, tellement même il est mauvais. La fille a même dit, parce qu'il cherche la prostituée. C'est son travail. Voici pourquoi Tamar est partie l'attendre. Et elle est venue s'offrir à lui. À prix réduit. Il dit, mais ça c'est une bonne aubaine. Il partit avec Tamar. Quand il finit avec Tamar enlevé. Il dit, ah, ça c'est un beau-père. Beau-père de quelqu'un, papa de quelqu'un. Il a enlevé son couteau et voulait la tuer. On dit non, 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 non. Et Tamar est tombée enceinte et Judas a dû prendre l'enfant pour élever. Ça, c'est la vie de Judas. Maintenant, il vous pose la question. C'est le où d'un gars comme ça que Jésus doit sortir de lui? Il te pose la question. C'est son où qui est bon pour que Jésus sorte de lui. Parce que Jésus est le lion de la tribu de qui? Quel Judas? C'est Judas qui vient de t'expliquer là. Je n'ai jamais vu un Judas dans la Bible qui était bon. L'autre Judas qui est sorti de l'autre côté est Jésus. Encore un sorcier. Maintenant, le Père veut parler. Aïe, aïe, aïe. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas comment vous faire comprendre ça. Mon temps est fini. Je ne sais pas comment vous faire comprendre ça. Parce que les gens pensent que oh, c'est juste mon pasteur. Ou mais c'est juste un pasteur. Ils sont. Quand je vois des jeunes gens, vous n'avez pas idée des gens que je rencontre. Des jeunes gens, je parlais avec un jeune homme avec sa cousine. Qui est riche, qui a la Banque mondiale, qui a 28 ans, 29 ans, a déjà sa maison, pas en location, hein, sa maison à lui à Ouagadougou. Voiture. Mais le petit, quand tu le vois, tout ici c'est le bar. Tout ici c'est le bar. Les bagues multicolores, les bagues anti-poison, les bagues anti-accident. Les bagues qui attirent l'argent. L'enfant est chargé. Il rit à toi comme un jeune homme normal. Mais là où il a mis sa main. Puis il ne cache pas. Si tu lui demandes c'est quoi, il te dit ça là, c'est pour ça. Ça c'est pour ça. Il ne cache pas. C'est ça, il est rentré à la Banque mondiale. On dit aux jeunes gens de l'église, on parle aux hommes. Tu es en train de finir votre vie. Fini les précieuses années sans production. On mépris de l'impact qui aurait pu générer de votre vie. Parce que vous ne voulez pas profondément vous soumettre à l'instruction et suivre un père. Il dit chez nous, on honore nos femmes. Toi, tu méprises ta femme. Il dit, il faut faire ça. Toi, tu fais le contraire. Lorsque je parlais à Ibé, je lui ai dit, combien de gens vont se plaindre de toi? Si Ibé te dit bonjour, il faut lui dire bonjour. Si tu dis à l'église, allons à l'église. Si tu dis à faire, il ne faut pas faire. Ibé qui est là, c'est moi qui te dis ça. C'est lui qui est fâché, je m'en fous de lui. Si tu dis prête-moi, il ne faut pas lui donner. Il ne va pas te donner. Maintenant, je ne vais pas le chasser, c'est mon fils. Ton enfant que tu as accouché qui est mauvais, tu l'as chassé. Non, je ne vais jamais le chasser. Je ne vais pas le repousser de l'église parce qu'il a cet art. Mais je te dis. Parce que beaucoup sont assis avec leur frustration. Et ils disent, papa ne parle pas. C'est comme si papa accepte. Je ne cautionne pas ça. Même moi, je ne t'appelle pas pour prendre crédit. Si ça vous dépasse, allez-y à la police, réglez. Et puis quand on finissait de régler, vous venez à l'église. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Ne me mettez plus dedans. J'ai parlé. Parce que si un fils ne veut pas écouter, je ne suis pas responsable. Ça ne le rend pas qu'il ne devient plus mon fils. J'en parle publiquement parce que j'ai des plaintes publiques jusqu'à encore hier. Et tout le monde se plaint vraiment parce qu'il est à côté de vous. Ah oui, il est à côté de moi. C'est pas parce qu'il est saint qu'il est à côté de moi. C'est parce qu'il est Dieu qu'il est à côté de moi. Toi aussi, tu peux venir t'arrêter. Oh. Il ne cherche pas quelqu'un. Celui qui veut servir, il peut servir. Dieu ne nous a pas chassés. Il connaît nous tous aussi nos défauts. Il connaît nous tous aussi nos tares. Donc, je ne justifie pas l'erreur de quelqu'un. Je monte la route au fils. Le fils décide de suivre. Il décide de laisser. Ce qu'il reçoit, c'est son bénéfice. C'est bien, c'est mal. Il est responsable. Ce n'est pas de ma faute.
Même si tu fais, puis on se plaint, il veut parler de toi aussi. N'a parlé de moi, je ne viens plus à l'église. Bye bye. Je te dis au revoir avec l'amour du Seigneur. Là où tu pars, viens, il te donne la lettre de recommandation que tu peux aller déposer là-bas. Il va te dire que tu es un bon fidèle, il n'a qu'à te recevoir. Vous montre le chemin. Les gens suivent les féticheurs avec sérieux. Les gens suivent le marabout avec sérieux. Les gens s'arrêtent à un père spirituel et ils sont sauvages. Et ta vie est en train de finir. Lorsque je parlais de mon fils, qui est en train de m'écrire pour me parler de femme. Non, l'autre là, je voulais faire qu'elle, mais c'est bizarre. Il sait que c'est comme. Mais papa, et puis c'est Stéphanie, ça m'a parlé de toi. Où est Stéphanie? Et non, mais j'ai vu la fille de mon mari, elle est bien, elle est dans son coin, elle est calme. Moi, j'aime les filles comme ça. Il dit, toi, tu es fou. Tu as quel âge? Qu'as-tu bâti? Qu'est-ce que tu. Toi, les petites filles d'aujourd'hui là, c'est visage, elle regarde. Il faut aller demander à Kevin. Kevin Makanja, il va t'expliquer. que Stéphanie a grandi. Une fille qui a 27 ans, 28 ans. Elle ne réfléchit plus en termes de beauté. Hein? Elle ne réfléchit plus en termes de style de garçon. Hein? Hein? Ok. Il ne faut pas commencer à travailler. Elle dit. Hein? Non. Faut pas travailler. La fille elle-même là, elle sort. Ok, c'est bon. Je vais laisser ce côté. Mon œil est en train de partir. Je vais laisser les à côté. Je pars. Parce que ça rentre, ça sort. C'est votre problème. Je veux parler à une seule personne qui veut écouter. Mais dis papa, j'ai 34 ans. Toi, 34 ans. Au lieu de pleurer sur ta vie. Elle me dit, j'ai remarqué l'autre fille là-bas, elle est calme. L'autre là-bas, elle est un peu chaud. Quand il n'y a aucun fruit qui est en train de pousser sur ton champ. Quand il n'y a rien à récolter sur ton terrain. C'est qu'elle dit, c'est mauvais. Même si c'est mauvais. Tu penses que tu dis que c'est mauvais, je vais changer. Prends ce que je suis en train de prêcher ici, là. Il n'est pas étudié à l'école, c'est dans la présence de Dieu. Va demander à maman, ton mari, là, il a fait quoi la nuit avant de venir ici? Qu'elle puisse t'expliquer que l'homme ne vient pas ça. C'est à coup d'heure en train de chercher Dieu pour venir donner quelque chose. Et tu mets l'onction sur le fils. Tu pousses, tu instruis. Quand il sort, il fait à sa tête. Un de mes fils est parti de l'église parce qu'il dit que j'ai parlé de lui comme ça publiquement. Et il est revenu 3 ans après, me demander de mettre l'huile sur sa tête. J'ai dit, reviens que je ne te répare publiquement. Quand je finis de te reparler publiquement, je vais remettre l'huile sur ta tête. Parce que si la réprimande de ton père t'amène à la déloyauté, c'est que tu es un insensé. La dernière fois, on est parti consacrer. C'est prince. Chez papa Karambiri à l'église. Tu as remarqué qu'il n'est pas mené Eden à l'église. Il a dit le vieux, est-ce qu'on ne peut pas mener Eden à la maison? Parce que c'est que tu m'as fait l'autre jour, il n'y a pas que tu me fasses quoi devant les gens. Quand on a amené prince, en temps on avait amené Inaya, il y a quelques mois avant. Ok, là il dit, t'es Michael. La Bible dit, soyez féconds. Multipliez-vous et remplissez la terre. Il dit, mais c'est pas à toi seul on a demandé de faire ça. Laisse la fille là. Ah, tout tes pays là est mort de rire sur moi. Caméraman filme mon visage. Et maintenant il est venu lui dire qu'il y a encore Eden. Il n'a qu'à consacrer à l'église. J'ai dit le vieux, est-ce qu'on ne peut pas amener bébé là à la maison? Il me dit que. Il y a encore bébé. J'ai dit, voici le numéro de papa Karambiri. Tu vas l'appeler toi-même. Je ne vais jamais lui donner cette information. Hein? Parce que moi, je ne suis pas prêt qu'on me parle de cette manière. Tu prends le numéro et tu l'appelles. J'ai dit, ah,
elle dit non, je n'ose pas appeler Maman Karambi. Elle a envoyé le message à Maman Karambi qui dit, ah, Maman, ta fille, il y a encore. Maman Karambi a dit, c'est bien, ça non, il faut bénir Dieu. Il a dit, ah, la vieille, la main, la vieille parle là, c'est pas bon. Entends le vent, pousse, ça pousse, ça pousse. Maintenant, on se retrouve, elle et moi, devant Papa Karambiri. Le vieux regarde, il ne me demande pas. Parce que Maman Karambiri n'a pas dit au vieux. Et même si, si elle lui dit ça là, c'est elle-même qui va d'abord expliquer. Il regarde. Il ne parle pas. Mais je vois que le vent, le regard va vers le vent. Et à un moment donné, c'était l'heure de la prière. Il dit, mettez-vous à genoux. Donc maman est en train de lutter pour se mettre à genoux. Il dit, ah, ah. Il dit, ah. Il dit, le vieux, c'est ça. Mais maman Karambiri était là, elle a sauvé. Maman Karambiri, elle a dit une petite parole qu'elle ne peut pas répéter, qui a fermé tous les discours. Souvent, il faut savoir rappeler le cœur de ta mère. Ça va te sauver face au courroux de ton père. Quand le vieux voulait commencer à m'accélérer, Maman Karambiri a dit une petite phrase. Quand il a dit la phrase, il avait dit oui, effectivement, c'est bon. Et puis il a béni la grossesse. Mais au nom de l'Éternel. Non, je n'ai pas fait cette prière. Mais la dernière fois que j'ai prié, le Seigneur ne m'a pas exaucé. Bienvenue à bébé. Que tous ses camarades, elle les envoie ailleurs. Il n'y en a qu'à donner la commission à tous nos futurs enfants, qu'on les redirige vers des endroits où il y a plus d'espace pour les recevoir. Parce que la maison est remplie à l'heure. Là. Est-ce que je vais mourir? Parce que la réprimande d'un père, c'est son amour. Le silence d'un père, c'est ta destruction. C'est pour vous que je parle. Et pour beaucoup d'entre vous qui ne suivez pas, pendant que les gens vont mettre les bagues partout pour prendre le pays, je vais prier pour vous. Beaucoup de jeunes gens, des femmes vont devenir fortes et vont prendre les territoires. À mesure que nous montons, ils vont être établis. Des gens qui vont venir s'asseoir pour prendre des bus à eux seuls déposés pour l'église. Pour dire, papa, on a acheté 2-3 bus, il faut déplacer les gens. Pour dire, papa, voici, et c'est quoi le budget? Qu'ils seront forts. Je veux établir. De la même manière que Judas n'était rien. Mais c'est la bouche de Jacob qui a fait de Judas la plus grande tribu d'Israël. Peu importe ce que tu es, ma bouche est ointe. Et de cette bouche, en tant qu'un père, je veux déclarer si ta destinée aujourd'hui. Je vais déclarer sur ta vie aujourd'hui. Je vais déclarer sur ton avenir aujourd'hui. Si tu es debout, tu ne peux pas prendre cette parole. Tu peux rester debout si tu le souhaites. Seulement sache que tu ne peux pas prendre cette parole. Tu peux rester assis si tu le souhaites. Seulement sache que ça ne te concerne pas. Kaitos kobeli shada bradadados kata. Judas est un homme de mauvaise vie. Judas est un homme sans témoignage. Judas est un homme de peu de principes. Mais le père Jacob a ouvert sa bouche. Il dit, Judas, tu régneras. Tous les autres étaient choqués. Je te qualifie pour monter. Je te qualifie pour l'ascension. Je te qualifie pour la supériorité. Je te qualifie pour la gloire. Mon fils, ma fille, que ta voix monte au-dessus de la voix de ceux de ta génération. Que ta tête brille au-dessus de ceux de ton monde et de ton entourage. Je te qualifie que tu accèdes là où tu ne méritais pas. Que tu accèdes là où tu n'étais pas capable. Que tu montes là où tu ne pouvais pas postuler. Que la vie te reçoive avec les honneurs. Que la vie te reçoive avec les honneurs. Je t'enlève au milieu des petits. Je t'établis au milieu des grands. Je t'établis au milieu des grands. Quel que soit ce que tu fais, tu le feras au niveau des grands. Quel que soit ce que tu touches, tu le toucheras au niveau des grands. Quel que soit ce que tu entreprends, tu l'entreprendras au niveau des grands. La bonté de l'Éternel brillera sur ta vie. La bonté de l'Éternel brillera sur ta vie. Sa fidélité te sera restaurée. Ta fidélité te sera restaurée. Là où tu étais tombé, je te relève les erreurs qui devaient condamner ta vie. Sois changé en béni. La bénédiction sur ta tête au nom de Jésus. Que la grâce s'approche de ta vie. Que la confusion
vie pour de nombreuses années soit aujourd'hui changé en célébration. Que le monde voie la grandeur de Dieu au travers de ta vie. Que le monde voie la grandeur de Dieu au travers de ton témoignage. Que le monde voie la grandeur de Dieu au travers de ton expérience. Que le monde voie la fidélité de Dieu dans ta vie. Je te bénis afin que tu sois béni. Je te bénis afin que tu sois béni. Je te bénis afin que tu sois béni. Je t'établis afin que tu sois établi. Je t'établis afin que tu sois établi. J'arrose ta vie de la faveur de Dieu. J'arrose ta vie de la faveur du ciel. J'arrose ta vie de la grâce d'en haut. J'active aujourd'hui la suite glorieuse de ta vie. J'active aujourd'hui la suite glorieuse de ta vie. Je l'active au nom de Jésus. Je l'active au nom de Jésus. Je l'active au nom de Jésus. Je dis 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 je l'active au nom de Jésus. Je l'active au nom de Jésus. La katana babosa. Je l'active au nom de Jésus. Le trou dans lequel on t'avait jeté. Que tu remontes et que tu ressortes. Que tu remontes et que tu sortes. 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 Enlevez le bébé de santé. Que tu remontes et que tu sortes. Que tu remontes et que tu sortes. Que le vent souffle en ta faveur. Que le vent de la faveur souffle en ta faveur. Que le vent de la grâce souffle en ta faveur. La prison qui te retenait est ébranlée aujourd'hui. Est ébranlée aujourd'hui. La misère qui te bloquait est ébranlée au nom de Jésus. Le sort qui avait été imposé à ta vie est retiré, 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 est retiré. J'ai dit c'est retiré. J'ai dit c'est retiré. J'ai dit c'est retiré. Le sort de malédiction imposé à ta vie. Je dis se retirer aujourd'hui. Je dis se retirer aujourd'hui. Je dis se retirer aujourd'hui. La katabaragaya. Regepe santope. Je dis se retirer aujourd'hui. Je dis se retirer aujourd'hui. Je dis se retirer. Là où le diable t'a retenu, tu sors. 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 La limite qu'on a tracée à ta vie, tu la dépasses aujourd'hui. 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 La katapayandepe. Tu la dépasses. Tu la dépasses. Tu sors de cette limite. 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 Maintenant, tu sors de cette limite. 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 Ton étoile qui a été volée est restaurée. 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 Au nom de Jésus, ton étoile est restaurée. Ton étoile est restaurée. Ton étoile est restaurée. Je te connecte à une gloire que tu n'as jamais connue. Je te connecte à une gloire. Nos jeunes ne semblent pas nous avoir donné le point d'avancée. Je crie à toi pour mon fils, pour ma fille. Je crie à toi pour le tabernacle Galilée. Entends ma voix. Manifeste ton doigt. Manifeste ta main. Descends dans cette salle. Passe dans les rangées. Passe sur les vies. Passe sur les hommes. Passe sur les femmes. Descends, descends. Descends, descends. Que les anges se répandent dans la salle. Que les anges se répandent dans la salle. Que les anges, j'ai dit que les anges. J'ai dit que les anges, j'ai dit que les anges. Que les anges, que les anges se répandent dans la salle. Que les anges se répandent dans la salle. Déployez-vous. Que le ciel rencontre la terre ce matin. Que le ciel rencontre la terre ce matin. Que le ciel rencontre la terre. Le Dieu qui s'est révélé à Éden. Reviens-toi ce matin. Reviens-toi dans la vie. Reviens-toi dans la vie. Dieu de l'île, celui qui répand par le feu. Reviens-toi ici. Reviens-toi ici. Ceci s'appuie sur le char. Et d'autres s'appuient sur les chevaux. Mais nous nous appuyons sur l'Éternel. Nous nous appuyons sur l'Éternel. Nous nous appuyons sur l'Éternel. Nous les appuyons sur l'Éternel. Sans la vie de blocage, sans la vie de l'influence de l'ennemi. Esprit de Dieu, déploie tes ailes. Déploie tes ailes sur cette salle. Et tous ceux qui sont en train de nous suivre,
déploie tes ailes. Déploie tes ailes. Couvre l'église, couvre les hommes, couvre les femmes. Et alors que tes ailes se déploient, que ta puissance circule. Alors que tes ailes se déploient. Alors que tes ailes se déploient. Que tu as brûlé dans la salle. Sa gloire est en train de saisir. Sa gloire est en train de saisir. Sa gloire est en train de saisir. Sa gloire est en train de visiter. Sa gloire est en train de toucher. De fond de la salle. À gauche, à droite, à l'avant, de partout. Sa gloire est en train de réveiller les destinées. Sa gloire est en train de réveiller les destinées. Des héros sont en train d'apparaître. Des hommes grands sont en train d'être libérés. Le filet de l'oiseleur qui te retenait est en train d'être déchiré. La malédiction qui stoppait ta vie est en train de partir. Sa gloire se répand, je dis elle se répand, je dis elle se répand partout, je dis elle se répand partout, ça contamine tous les rangées, ça contamine toute la salle, elle se répand pour les hommes, elle se répand pour les femmes, sa gloire se répand, il touche, il touche, il touche, il touche, il touche, il touche, oui c'est ça, il est en train de saisir ta vie. Il y a une suite. Même si tu étais Judas, le règne viendra à toi. Chalinda Brask. Ceux qui sont programmés pour le règne, dans 3 secondes, la puissance de Dieu va vous prendre et vous jeter jusqu'ici. Quelle que soit la force avec laquelle vous voulez résister. Courir, jeter, propulser jusqu'ici. Vous allez connaître le règne dans le social, le règne dans les affaires, le règne dans les finances, le règne dans le ministère. L'onction pour le règne est en train de venir vous chercher. Un. L'onction pour le règne est en train de venir vous chercher. Deux. L'onction pour le règne est en train de venir vous chercher. Trois. Maintenant, je dis maintenant, je dis maintenant, je dis maintenant, c'est l'onction pour le règne. Je dis, elle prend les personnes jusqu'ici. Je dis, elle attend de jeter ces personnes jusqu'ici. Je dis, elle attend de propulser ces personnes jusqu'ici. Je dis, ces personnes ont couru jusqu'ici. Des hommes pour les femmes, des hommes comme pour les femmes, je vois l'onction pour le règne. Je vois l'onction pour le règne. Montre-moi comment tu résistes à cette onction. Oui, c'est le temps. Aïe, 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 et t'as pas qui te sautre pas. C'est l'onction pour le règne. Jusqu'à dehors, jusqu'au tour de l'église. Je vois cette onction. Allez chercher des hommes. Allez chercher des femmes. Emmenez-les-moi. L'esprit est en train de le susciter. Et pour le règne, pour le règne, tu régneras dans le prophétique. 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 Où es-tu? Tu seras un prince dans le domaine du prophétique. Tu seras un prince dans le domaine du prophétique. Tu seras un prince dans le domaine du prophétique. Où es-tu? Son manteau est en train de te toucher. 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 Tu régneras dans le financier. Tu régneras dans le financier. Tu régneras avec l'argent. Tu régneras avec la richesse. Tu régneras avec les ressources. Je vois un, emmenez-le-moi. Je vois deux anges de Saint-Esprit. Je vois 3, emmenez-le-moi. Je vois 4, emmenez-le-moi. Je vois 5, emmenez-le-moi. Je vois 6, emmenez-le-moi. Maintenant, maintenant, ceci est un règne financier. Ceci est un règne financier. Ceci est un règne financier. Kalosagabaitoska. Je vous aurais prévenu. Vous l'avez couru jusqu'ici. Je vous aurais prévenu. Vous l'avez couru jusqu'ici. Je vous aurais prévenu. Vous l'avez couru jusqu'ici. Depuis le fond de la salle. Je vous aurais prévenu. Vous l'avez couru jusqu'ici. Depuis le fond de la salle. Je vous aurais prévenu. Vous l'avez courir ragadisha des femmes et des hommes. Vous les verrez courir. Ceci est un règne financier. Ceci est un règne financier. Mon fils, tu ne ressembles à rien aujourd'hui. C'est arrivé pour lui. Il sortira du trou de la misère. Il sortira du trou de l'ombre de la mort. Et il montera pour tirer les hommes vers le haut. Pour tirer la famille vers le haut. Pour tirer sa génération vers le haut. Kaperezosa. Rale kataya. Le capren de chali là-bas. Le capren de chali là-bas de Zagadiaga. Je le vois. Je le vois, je le vois. Je le vois, je l'entends. Je le vois, je l'entends. Il me dit, il y a plus que ce que tu as vu.
Il y a plus que ce que tu n'as jamais connu. Il y a plus que ce que tu n'as jamais observé. Je suis l'Éternel, le Dieu. Le Dieu qui fait couler les rivières sans limite. Le Dieu qui fait couler les rivières sans limite. Le Dieu qui étale la mer et ses étendues sur la terre. Et en même temps qu'il donne les limites qu'elle ne peut pas franchir. Je parle et la chose arrive. J'entends et la chose existe. Il dit, je me tiens avec ceux dont le cœur me cherche. Je me tiens auprès de ceux dont le cœur me désire. Galilée, je me tiens avec vous. Femme, homme, je me tiens avec vous pour glorifier mon nom dans la réalité de votre vie. Ce que les hommes verront de vous attirera la gloire sur mon nom. Ce que les hommes verront de vous attirera la gloire sur mon nom. Je suis l'Éternel. Aïe! Je le vois. Je l'entends. Il dit, ma main a touché l'aveugle. Et ses yeux ont vu. Oh. Il dit, ma main a touché le cercueil. Et le corps mort est revenu à la vie. Il dit, ma main touche les montagnes et elle se transforme en petit rocher. Il dit, ma main soutient le monde et rien ne peut le faire tomber. Il dit, ma main a touché la femme malade et elle fut rendue vivante à ses parents. Et il me dit, ce matin, ma main arrive pour vous toucher. Il me dit, ce matin, ma main arrive pour vous toucher. Ma main arrive pour vous toucher. Je vois la main au-dessus de cette assemblée. Je vois sa main au-dessus de l'église. Je vois sa main à hauteur au-dessus de cette toiture. Il est en train de toucher l'église. Regardez ce qui se passe maintenant. Sa main est en train de passer. Sa main est en train de toucher. La stérile peut désormais enfanter. Sa main est en train de toucher. La veille peut désormais recouvrir la vie. Sa main est en train de toucher. Le possible peut désormais se relever et contempler la beauté du ciel. Sa main est en train de toucher. L'égaré peut se réjouir de retrouver le chemin. Sa main s'oppose sur la destinée des hommes. Sa main s'oppose sur la destinée des femmes. Sa main s'oppose sur le petit. Sa main s'oppose sur le grand. Je vois sa main en train de refaçonner. Je vois sa main en train de reconstituer. Je vois sa main en train de restructurer. Je vois sa main en train de donner. Je vois sa main en train de manifester. Je vois sa main en train de créer une forme glorieuse. Regarde, sa main arrive pour se poser. Je ne sais qui attrapera, je ne sais qui aidera, mais sa main est en train de venir. Assis, debout, couché, où que vous soyez, sa main est en train de venir. Kalabayando saitaba, ragia sintope, iberegebosi belebrontoshe, et katayadaba. Vas-y, opère librement. Laisse que ta main touche. Laisse que ta main touche. Vas-y, touche les rires. Vas-y, réveille celui qui est mort. Vas-y, relève celui qui est tombé. Ta main, je vois sa main. J'entends des cris, je vois des vagues. Je vois sa main. Elle est en train de toucher, même jusqu'aux enfants, même jusqu'à l'école du dimanche. Je vois sa main qui parcourt la salle. Je vois sa main qui parcourt les ondes. Je vois sa main qui parcourt. Et sa main est en train de toucher. 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 J'ai dit, sa main est en train de toucher. Sa main.
guéris les corps malades, guéris les corps malades, guéris les corps malades, guéris les corps malades. Sa main guérit les infirmités, sa main change les diagnostics, sa main restaure les santé affectées, sa main renouvelle les sang et les organes, sa main guérit. J'ai vu 11 personnes. Il les a pris dans la salle. Un à un, les amis, ne soyez pas en train de rire. Ce que je suis en train de faire extrêmement sérieux. Et il les a mis dans sa main. Les uns après les autres. Ils étaient 11. Il m'a dit, quand je te les enverrai, prie pour eux. Prie pour eux. Ma main les fera monter. Ma main les fera monter. Bram, mais qui l'a fait monter. Et c'est la main de l'Éternel qui a porté Jacob, qui a porté Isaac. Il dit, regarde, ma main va les prendre. Cet homme, cette femme. Il dit, ma main va les prendre. Et les porter vers la hauteur. Ah, ça. Cadiz, Kaba. Et condos, et pelunde, s'apprende sous. Isoko, parai, te chine de libro, zibilis cant. Zikiti, parous, alinde, chabre, zouza. Kada, se, kaparando, chine de sketebe. Indo, sketebe. Et de ma main les portera. Si vous êtes inconfortable, vous avez besoin de vous lever, sentez-vous libre de le faire. Dis, ma main le portera. Emmène-le-moi. Une personne, deux, trois. Une forme d'attaque. Une forme d'opération de l'ennemi. Comme cette saison se dérive, quelle soit sa provenance, je la réprime. Je la réprime, je la réprime. Je la réprime, je la réprime. Je la réprime au nom de Jésus. Je la réprime au nom de Jésus. Je la réprime. Je m'adresse à l'enfant qui se lève et qui confronte ta vie. Par l'onction, tu es terrassé. Par l'onction, tu es terrassé. Tu es terrassé. Tu es terrassé. Tu es terrassé. Quebro sin de librandoche. Par l'onction, tu es arrêté. Ainsi que tes effets. Tout le monde qui le peut. Tout le monde qui le peut, tiens-toi debout. Toi de Dieu. Tout le monde debout, pose tes deux mains. C'est tes deux mains sur ta tête. Le fardeau qui était imposé à ta vie depuis longtemps, aujourd'hui le Seigneur veut le retirer de ta tête. Ce poids qui te porte, que tu portes, qui a ralenti ton avancée dans ta vie et qui t'a donné du retard, la main de Dieu vient le retirer de ta vie aujourd'hui. Il vient ôter ce poids de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras libéré pour avancer. L'Esprit de Dieu me dit quand son mari était enlevé dans sa vie, elle est passée par beaucoup de peines, par beaucoup de difficultés jusqu'à ce jour. Et cette même influence a suivi ta vie. Elle a suivi un garçon derrière toi. Elle a suivi une autre fille derrière toi. Je vois suivi encore Omalika Ponce qui te prie. Une autre fille encore derrière toi. Ils sont derrière toi et je te vois comme avec l'esprit de l'aîné sur la famille. J'arrive à voir seulement une autre personne, mais cette personne, je ne la vois plus dans la scène. Et je te vois toi devant et tu es en train de traîner les autres derrière. Et le Seigneur est en train de me dire aujourd'hui, aujourd'hui, ce voile qui a suivi ta mère est déchiré de ta vie et est déchiré de ta famille, de tes frères, de tes soeurs qui te suivaient. À partir d'aujourd'hui, ça sera miraculeux. Commencer à glorieuse aujourd'hui. Derrière ce que tu vivais, que le meilleur apparaissent maintenant. Derrière le lion qui te rencontrait, que le miel soit